Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo snapshot sur Minecraft, soit assis sur un snapshot Minecraft 23W31A, nouvelle snapshot de Minecraft 1.20.2. Donc oui, il va y avoir une 1.20.2, peut-être qu'il y avait un bug assez important à fixer, et ils en ont aussi profité pour introduire des nouvelles fonctionnalités. Des fonctionnalités très techniques qu'on parlera après, mais aussi une sorte de nerf pour les villageois. Donc déjà, le bug qui faisait qu'on pouvait convertir les villageois en villageois zombies et puis les remettre en villageois normal pour réduire leur prix jusqu'à quand que le prix soit juste d'une émeraude, mais ça ne marchera plus. Il y a aussi un changement au niveau du libraire. Ça, c'est pas techniquement un nerf, mais ça pourrait nerfer quand même certaines techniques pour certaines personnes. On en parlera. Le Wandering Trader, lui, a été par contre buffé parce que ses trades sont moins chers. Il offre plus de choses, donc ça, c'est plutôt cool. Il va être enfin utile, peut-être. Et nous avons, comme j'ai dit, tous ces changements techniques. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Alors, si vous téléchargez un snapshot et que vous voulez voir justement ces nouvelles offres de villageois, il faudra créer un nouveau monde, mais aussi activer une fonctionnalité expérimentale qui parle justement des nouveaux trade, donc les offres, on va dire, des villageois ici. Donc quand vous m'entendez dire trade, je parle des offres des villageois, je le dirai souvent trade parce que j'ai l'habitude de le dire en anglais. Donc il faudra l'activer et puis créer votre monde. Du coup, qu'est-ce qui change au niveau des offres de ces libraires? Eh bien, Mojang a fait en sorte que maintenant il y a un petit peu moins d'aléatoire dans leur offre, notamment au niveau des bouquins que les gens voudraient le plus. Et ces bouquins sont ceux qui sont efficacité, incassable, protection, sharpness ou je sais plus quoi en français. Et vous avez ensuite Seal Touch, donc toucher de soi, le Mending, ainsi que Fortune. Donc tous ces bouquins maintenant seront garantis, mais la particularité c'est que vous les aurez seulement quand le libraire atteint le niveau Master, donc le dernier niveau d'échange, quand vous avez échangé énormément avec lui, et selon son biome. Donc selon le biome où le villageois sera originaire, vous aurez un bouquin différent garanti. Donc par exemple, ici je suis dans un marais, et le bouquin garanti dans le marais, on peut le voir, c'est tout simplement le Mending. Donc Mojang nous a fait un petit tableau qui résume assez bien ça. Tous les bouquins qui sont au-dessus, les Special Books, sont garantis quoi qu'il arrive si votre villageois vient de ce biome-là. Et tous les bouquins en dessous, par contre, qui aussi sont différents selon les biomes, comme vous pouvez voir, eux sont plus en partie aléatoires. On peut d'ailleurs le voir. J'ai deux villageois ici. Si je regarde lui, il a Curse of Vanishing ainsi que Depth Strider. Et celui d'à côté, il a Depth Strider et puis aussi bien, ben, pas un autre bouquin. En fait, il a un autre trade où c'est pas du tout un bouquin. Donc les bouquins spéciaux, seulement un villageois et vous les aurez forcément. Mais après, le prix est quand même aléatoire. Et pour les autres, ben, il faudra faire un petit peu plus de recherche peut-être. Donc personnellement, je trouve que c'est assez logique comme changement. C'est pas vraiment un nerf ici, c'est plutôt enlever de l'aléatoire pour donner un côté prédictible à ses offres, et ça permet même de garantir d'avoir du Mending, ce qui est plutôt cool, ainsi que Fortune et tout ça. Ce sont des enchantements très utiles, donc vous aurez plus besoin d'essayer pendant 3 heures de placer un lectern, créer un villageois, regarder ce qu'il offre et puis casser le lectern jusqu'à quand vous ayez le bouquin qui vous arrange. Là, vous pouvez juste aller dans le biome, créer un villageois, peut-être avec une ferme à villageois ou autre chose, où ça les force à se reproduire. Et puis après, vous aurez la garantie d'avoir le bouquin que vous voulez. Enfin, sauf si c'est pas un bouquin spécial. Là, il faudra essayer un peu plus. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, oui, les villageois prennent un skin selon l'endroit où ils sont nés. Et c'est très important de dire que c'est là où ils sont nés. Donc, si je prends un villageois du marais et que je le mets, par exemple, dans un bateau, on va prendre un chéri. Hop, je vais le mettre à côté de lui. Voilà, il rentre dedans. Je peux prendre ce villageois du marais qui n'a pas encore de profession, et l'amener dans mon biome, dans ma base et tout ça. Donc, vous n'êtes pas coincé dans le biome marais pour avoir du Mending. Vous pouvez sans problème transporter les villageois. Donc, comme vous pouvez voir, j'arrive dans cette taïga et le villageois est clairement toujours en skin marais. Par contre, si je fais de nouveaux villageois avec lui, ben, ils vont prendre le skin de la taïga. Donc, forcément, vous devrez avoir un reproducteur de villageois dans le marais pour avoir des libraires qui vous donneront Mending. Maintenant, la partie vraiment nerf ici, c'est ce que je vous ai dit dans l'introduction. Avant, on pouvait transformer un villageois en zombie. Et pour cela, il suffisait tout simplement, comme vous pouvez voir, coincer un villageois avec un zombie. Et puis, vous aviez un villageois zombie. Ensuite, vous pouviez lui donner une potion de weakness, de faiblesse. Et puis, lui donner une pomme en or pour le retransformer. Et après, vous aviez une réduction permanente sur les prix de ce villageois, parce qu'il était en mode « Oh, tu m'as sauvé, merci !» Mais le truc, c'est que vous pouviez continuer de faire ça indéfiniment jusqu'à quand que les prix étaient pratiquement à zéro. Ils étaient à 1
une émeraude pour, par exemple, un bouquin Mending, ce qui est un petit peu abusé. Donc maintenant, ça ne marchera qu'une fois. Vous pouvez toujours le faire, mais ça ne marchera qu'une fois et ça fera une seule réduction, ce qui sera déjà pas mal. Mais vous ne pourrez plus redescendre à un niveau où le villageois vous offre un bouquin Mending pour une seule émeraude. Maintenant, il y a toujours de l'aléatoire sur les prix de ces bouquins, donc vous pouvez essayer de trouver un villageois qui vous offre un bouquin Mending pour moins cher qu'un autre. Donc ça, c'est toujours possible de le faire. Maintenant, après ce nerf, nous avons eu aussi un buff, et c'est au niveau du Wandering Trader, qui maintenant est beaucoup plus intéressant. Parce que jusqu'à maintenant, le Wandering Trader, à chaque fois que j'en voyais un, honnêtement, j'avais juste envie de le despawner de force. Maintenant, le Wandering Trader a plus de offres, et aussi, les prix ont été diminués. Donc comme vous pouvez voir ici, je peux acheter 8 logs de spruce pour seulement une émeraude. Avant, ça aurait été beaucoup plus cher. Je peux aussi acheter des fleurs, des cactus, ainsi que des dripstone. Et aussi maintenant, il achètera davantage de choses. Ça, c'est nouveau justement. Il va vous acheter des bouteilles d'eau, des seaux d'eau, des seaux de lait, comme on le voit ici d'ailleurs, des yeux d'araignée fermentée, des baked potatoes, donc des patates cuites. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Ainsi que des bottes de foin. Et aussi, vous aurez la chance de pouvoir maintenant acheter justement des blocs de bois, de tous les types d'ailleurs, des pioches en fer enchanté. Et le niveau d'enchantement peut varier ainsi que son prix, ainsi que des potions d'invisibilité. Ça, c'est plutôt cool et plutôt logique vu qu'il est en bois pour se cacher la nuit. Donc, ma foi, maintenant, le Wandering Trader est un peu plus utile et pas juste pour ceux qui sont sur des flat maps parce qu'il y en a qui s'amusent à jouer sur des mondes plats. Et là, le Wandering Trader est hyper utile parce qu'il vous vend des fleurs et tout ça. Donc, il vous permet d'obtenir des items qui sont impossibles à avoir sur une map plate. Mais bon, dans les mondes normaux, par contre, il était beaucoup moins utile. Donc, j'espère que ça devrait aller améliorer un petit peu. Maintenant, nous avons un autre buff aussi, ça concerne les diamants. Depuis évidemment la sortie de Minecraft 1.18, la hauteur des montes a été augmentée, ainsi que la hauteur minimum. Donc les montes vont beaucoup plus bas. Et quand ils ont fait ça, ils ont changé aussi la distribution. J'ai fini dans une pochette d'eau, c'est génial. Ils ont aussi changé la distribution de la génération des diamants. Et du coup, la plupart des diamants se génèrent justement au niveau de la Deep Slate. Vous pouvez en trouver un petit peu plus haut, mais vraiment là où vous allez en avoir le plus, c'est assez bas dans le monde, sauf que c'est un peu compliqué des fois d'en trouver, surtout que là j'en ai un, mais il y a un nerf aussi, pour ceux qui ne savent pas, qui fait que si le diamant détecte qu'il y a des blocs d'air autour de lui, ils en génèrent moins, tout simplement. Donc ça veut dire que vous en trouverez moins dans les grottes. Eh bien, je suis heureux de vous dire qu'ils ont augmenté la quantité de diamants qui se génèrent à cette hauteur-là, surtout le plus bas possible dans le monde. Donc là, j'en vois quelques-uns en réalité. Je ne sais pas si c'est dû à cette augmentation ou si je suis juste chanceux, mais normalement, vous devrez en trouver un petit peu plus. Ils n'ont pas sorti de graphique pour montrer à quel point plus, donc il faudra peut-être attendre que quelqu'un calcule les probabilités, voir ce que ça donne, mais normalement, vous devrez en avoir un petit peu plus. Ensuite, nous avons une autre fonctionnalité qui devrait être utile pour ceux qui font des maps aventure, je suppose. Et c'est le fait que vous pouvez maintenant waterloguer un bloc barrière. Donc là, on a un bloc barrière, ça se voit avec la petite croix qui s'affiche dessus. Et j'ai mis une source d'eau dedans. La source d'eau ne coule pas d'ailleurs, donc ça c'est plutôt cool. Et ça permet de, je suppose, faire un faux sol d'eau ou autre chose. Ça peut être utile dans certains cas, vous pourrez le mettre au plafond pour réduire la quantité de lumière qui passe aussi. Je sais pas trop pourquoi vous pourriez utiliser forcément, mais ça fait pas de mal d'avoir plus de possibilités. Mais c'est clairement pour les créateurs de maps ici. Pour ceux qui jouent en survie, ça va rien changer. Aussi, vous ne pouvez pas interagir avec, notamment les gens en survie ne peuvent pas forcément interagir avec, notamment avec les dispensers ou autre chose, pour éviter qu'ils puissent récupérer de l'eau de cette manière-là. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Juste pour le prouver, je suis en survie. Vous pouvez voir que j'essaie de faire clic droit avec un saut. Ici, ça se voit, hein, je peux faire clic droit. Et j'arrive pas à prendre la source d'eau dedans. Donc oui, c'est bien nerfé. Ok, maintenant qu'on a passé sur les fonctionnalités qui concernent vraiment les joueurs survie, nous avons maintenant aussi des fonctionnalités techniques. Et notamment, il y en a une qui concerne le resource pack qui est passé à version 16. Et c'est dû au fait que Mojang a fait pas mal de petits changements dedans. Plus de nettoyage, on va dire. Il y a certaines textures qui ont été renommées. Vous avez aussi certaines textures qui ont été séparées en plusieurs fichiers. C'est notamment le cas du logo Minecraft que vous lancez le jeu. Donc, si vous avez un resource pack, vous devrez le mettre absolument à jour, sinon il ne fonctionnera pas. Toutefois, Mojang a aussi un outil qui s'appelle Slicer qui vous permettra de mettre à jour justement votre pack en faisant tous ces petits changements un peu random, notamment renommer villager2.png en villager.png
ou séparer certaines textures en plusieurs textures. Cet outil le fera pour vous, donc ça c'est plutôt cool. En plus de ça, et ça concerne aussi les data packs, maintenant vous pourrez créer des resource packs ainsi que des data packs qui supportent plusieurs versions de Minecraft ou plusieurs versions de ces ressources ou data packs. Parce que là on est passé à la version 16, mais du coup si vous avez un pack en version 15, ben, il va être affiché en rouge dans votre interface Minecraft, mais peut-être qu'il est compatible parce que vous avez fait en sorte qu'il soit compatible. Et bien maintenant vous pourrez, dans les données du pack ainsi que les données de votre data pack, préciser que ben, celui-ci est compatible avec plusieurs versions de Minecraft. Et ça, c'est plutôt cool. Comme ça, si vous savez que votre pack fonctionne, vous pouvez le rendre compatible avec cette version-là sans avoir une version totalement différente juste pour être compatible. Donc, ça permet d'avoir un seul téléchargement pour tout le monde. Donc, c'est une bonne chose. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble d'ailleurs. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez faire 16 à 17, minimum inclusif, c'est-à-dire le minimum que vous pouvez supporter, c'est 16, et puis max, c'est 17. Et aussi, ils ont rajouté un truc qu'ils appellent overlays, qui permet de basiquement dire que certaines parties de votre pack sont des overlays. J'ai pas trop compris exactement à quoi ça peut forcément servir, mais voilà, pour ceux qui s'y connaissent, vous avez tout ça dans le changelog, vous pouvez vous amuser à lire, peut-être que c'est utile pour vous. Tant que je suis dans le changelog, il y a aussi un changement très important pour ceux qui ont des serveurs et qui devrait aider ceux qui ont des petites connexions à Internet, et ça c'est une très bonne nouvelle selon moi. C'est le fait qu'avant, les chunks étaient envoyés tous en même temps à un client, et si le client ne pouvait pas recevoir tous les chunks à temps, il y avait un timeout, eh bien, il était juste kické du serveur. Maintenant, les chunks vont être envoyés au fur et à mesure. Donc, si quelqu'un a une mauvaise connexion Internet, il peut se connecter, avoir juste 4 chunks d'affichés, et puis les autres chunks seront juste envoyés, comme ils le disent ici, petit à petit, afin que la personne puisse les recevoir selon sa connexion Internet. Et ça, je peux vous dire que c'était un problème qu'on a eu sur le Super Summer World, qui est mon serveur créatif. Vous pouvez aller d'ailleurs dessus en utilisant l'IP supersummerworld.com que je vous affiche à l'écran. Dans tous les cas, on avait des personnes qui avaient des petites connexions et qui se connectaient sur le serveur. Et comme le spawn du serveur est plutôt massif, hein, parce qu'on fait des méga builds là-bas, eh bien, leur connexion ne leur permettait pas de télécharger tous les chunks à temps et ils se faisaient kicker. On a dû faire des changements, notamment faire en sorte que le spawn soit à un autre endroit pour justement outrepasser cette limite. Et bien maintenant, à partir de 1.20.2, on ne sera plus obligé de le faire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui ont des petites connexions et ceux qui hébergent des serveurs. Alors ça fait déjà pas mal de changements techniques, mais ça ne finit pas là, il y en a encore plus. Maintenant vous avez un historique des commandes, donc oui, si vous vous amusez à faire, je sais pas, time set ou game mode, créatif, même si je suis déjà en créatif, et bien maintenant, vous avez un historique de ces commandes qui va être conservé même si vous quittez votre monde, si vous vous déconnectez du serveur et que vous revenez dans votre monde ou votre serveur, vous pourrez aller et retrouver ces commandes. Donc comme vous pouvez voir, je peux retrouver toutes les commandes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et pour information, cet historique est de 50 commandes et il est aussi sauvegardé dans un fichier dans votre dossier Minecraft qui s'appelle commandhistory.txt. Donc comme ça, vous pourrez, si vous avez fait une commande très importante, je sais pas moi, World Edit ou autre chose sur serveur, mais vous pourrez aller la retrouver comme ça et c'est plutôt cool. Par contre, tenez en compte les chats, donc pas les commandes, mais si vous chattez, blablabla, ça, ce n'est pas conservé. Si vous vous déconnectez d'un serveur ou d'un monde, ça, ce sera toujours effacé. C'est que les commandes. Maintenant, c'est pas la seule chose qui a changé. Oui, il y a encore plus de changements techniques. Mojang en a aussi profité pour mettre à jour les protocoles de communication sur le réseau, donc c'est-à-dire la communication entre un client et un serveur. Et du coup, pour résumer très vite fait, parce que honnêtement, c'est pas mon domaine de prédilection, plus de choses seront possibles, beaucoup plus de choses. Il y aura plus de communication possible entre le serveur et le client. Il y a notamment un changement assez important, c'est le fait que vous pourrez basiquement dire « Hey, ce client, en fait, il est plus connecté, il revient à l'étape « je suis en train de me connecter ». Du coup, il ne sera plus affiché sur le serveur, cette personne sera comme déconnectée, il ne sera pas dans la liste des joueurs, mais le serveur sera toujours en train de communiquer avec. Donc, ça veut dire qu'il pourra, par exemple, recharger peut-être un resource pack, ce genre de choses. Donc, ça va permettre de faire des choses très importantes pour les, justement ceux qui hébergent les serveurs. Ça permettra de rechanger des choses à la volée sans que les gens aient besoin de se reconnecter. Donc, c'est une très bonne chose. Mais je vais être très honnête, ça me passe totalement au-dessus de la tête. Tout ce qui est protocole réseau et tout ça, je déteste le réseau, donc yep, ça me passe au-dessus de la tête. Allez voir le changelog si vous aimez ça. Et il y a encore plus de changements techniques. Vous avez aussi le fait que maintenant, vous pouvez définir si les IP sont loggés dans les logs de votre serveur. Donc, quand quelqu'un se connecte, son IP est affiché dans les logs. Donc, vous pouvez dire que ça ne s'affiche pas, justement, pour protéger
leur vie privée, donc c'est plutôt cool. Et vous avez aussi le fait que les liens symboliques dans les data packs et resources packs maintenant sont contrôlés. Donc s'il y a un lien symbolique dans votre resource pack ou data pack, par défaut, ben, vous ne pourrez pas charger ce data pack ou resource pack. Un lien symbolique, c'est tout simplement un lien qui dit que oh, dans mon dossier Minecraft, j'ai un dossier qui s'appelle, resource pack, avec un grand S majuscule à la fin. Mais en fait, c'est un dossier qui pointe vers un autre dossier quelque part sur mon PC. C'est un lien symbolique. Le dossier n'existe pas. Il pointe vers un autre qui existe réellement. Et donc ça permet en réalité, c'est une faille de sécurité, ça permet d'accéder tout simplement à des dossiers ou des fichiers que normalement le créateur du data pack ou du resource pack n'est pas censé accéder. Donc maintenant, par défaut, ce sera bloqué, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais vous pouvez aussi faire en sorte que ça fonctionne. Donc si vous en avez absolument besoin, vous pouvez toujours les activer. Mais je le déconseille personnellement. Ah là là, on en a vu des changements techniques. Mais vous savez quoi? Il y en a encore plus. Il y a une nouvelle commande dans Minecraft maintenant qui s'appelle Random. Et cette commande Random vous permet de littéralement générer des nombres aléatoires. Apparemment, si je fais 1, 2.6, ça me dit que je dois générer un nombre de 1, 6. Ok, essayons ça. Et apparemment, j'ai eu 3. Donc là, c'est littéralement un lancer de dés. J'ai fait un lancer de dés et j'ai eu 3. Donc oui, ça permettra de tout simplement générer des nombres aléatoires dans Minecraft directement. Évidemment, cette commande random peut être utilisée en conjonction avec notamment les commandes fonctions et tout ça. Donc oui, vous pouvez faire encore plus de programmation dans le système de commandes de Minecraft. Il y a notamment aussi des choses qui ont été rajoutées au niveau des fonctions pour faire des tests if et unless. Et vous pourrez certainement tester selon ces valeurs aléatoires que vous récupérez. Donc, basiquement, oui, pour résumer, on peut encore plus programmer de choses via les data packs ou les commandes. Et donc, ça va nous permettre de faire des choses encore plus puissantes et plus intéressantes dans le jeu. Donc, ça, c'est une très bonne chose selon moi. Maintenant, ce que j'aimerais vraiment qu'ils rajoutent, c'est de pouvoir rajouter des blocs via data pack, des vrais blocs qui ont leur propre texture, leur propre propriété. Ça, ce serait génial. Et juste pour revenir un petit peu sur la commande random, d'ailleurs, selon le changelog, ils disent que vous pouvez aussi inclure un sequence ID derrière. Donc vous pouvez par exemple dire « Hey, génère un nombre aléatoire selon une graine en particulier, un seed. » Ou par exemple, selon le seed du monde Minecraft. Donc oui, vous pouvez faire énormément de choses en réalité. Et voilà les informations sur l'execute if fonction. Donc vous pouvez faire du execute if unless. Donc ça, ce sera très important. Je pense que vous avez compris. Cette 1.20.2 va être très technique. En plus de nerfer un petit peu les villageois et de changer le côté aléatoire des villageois. Donc c'est à peu près tout, je vais en rester là, je vais pas vous embêter beaucoup plus avec des changements très techniques que moi-même je ne comprends pas totalement. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo snapshot. Si c'est le cas, vous laissez un pouce bleu. Si vous voulez discuter de cette snapshot, vous pouvez évidemment laisser des commentaires, mais si vous voulez aussi discuter un endroit meilleur pour ça, vous pouvez en discuter sur le Discord officiel qui est discord.gg/AurelienSama, vous affiche à l'écran, et comme ça vous pouvez rejoindre la communauté sur Discord. Et là, il y a des bien meilleure façon de discuter que juste des commentaires YouTube. Et du coup, c'est à peu près tout. Merci et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !